J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo snap. Aujourd'hui c'est les abonnés qui vont décider mes repas pendant 24 heures. Quand vous n'allez pas faire les gamins, venez nous suivre sur snap. C'est parti. Le petit déjeuner. On va réveiller. C'est l'heure du petit déjeuner. C'est l'heure du petit déjeuner. C'est l'heure du petit déjeuner. Allez viens. T'as fait la sieste. Gros bébé cadom. Allez viens. Ton petit déjeuner est arrivé. Quoi? Vous allez faire quoi? Du pancake, c'est du pancake, c'est du pancake avec le sirop d'érable. Avec le sirop d'érable. Et avec ça, du jus d'orange. D'orange, du carré. Et du casse un peu sucré. Alors, t'as compris quoi? J'ai compris qu'il y avait des pancakes avec du sirop d'érable et du jus d'orange. Ça se voit, il est en vacances derrière. Ah ouais? Bon, donc là, on va commencer le petit déjeuner. C'est parti. Des pancakes, comme il dit de l'autre. Tu manges ça, toi? Ouais. C'est l'abonné qui a décidé. Il y a du pancake. Tu peux lui le servir le mais sirop d'érable. Des pancakes en 2021. Moi? Laisse-moi. Moi, je l'ai fait maison. Alors, déjà. Vraiment, le sirop d'érable. Non, on va commencer par ça. On va en mettre une avec le sirop d'érable et une avec la crème. Ça, je précise que c'est pas dans le petit déjeuner de l'abonné, mais je voulais tester. Enfin, je voulais qu'elle teste. Parce que c'est la meilleure patate. Ah, il fait griller tout seul. Non, mais c'est vrai, bah moi je teste, c'est la vérité. Ça, je n'ai jamais goûté. T'as jamais goûté, toi? Sirop d'érable? Ouais. Non, mais justement, elle va goûter. Alors, ça, tu peux montrer ce que c'est le pot de patate tartinée, parce qu'on voit pas, c'est à l'envers. Ah. Ah, c'est. Passe-moi ça. Biscoff. C'est du spéculoos. Regardez. Lui, Yacine, il prend pas de petit déjeuner sur ça, il mange directement ça. En vrai, Yacine, mets lui, hein, parce que c'est lourd. Den. C'est un bidon d'essence, le truc. Bismillah. Pas trop. Ah, c'est carré, là. Allez. Mais, vas-y, mets-le par-dessus. Non, je vais goûter un chacun. Ah, encore oublié de dire bismillah. Pas très bon. C'est pas bon? Vraiment? Ça a le goût de quoi? Mais c'est quoi ça? C'est pas du sirop d'érable? Si. Il y a marqué sirop pour pancakes. Pancake sirop. Sirop pour pancakes. Ça a une odeur de quoi? De huile d'olive. D'arbre. Fais voir. Ah, je crois que le sirop d'érable, c'est issu de l'arbre, des arbres. Claire. Goûte celui-là. Ça, c'est spéculoos. Tu vois, il doit être bon normalement. Après, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas le spéculoos. Non, c'est vrai. C'est comme un tiramisu, c'est trop bon. C'est grave bon ça, le goût de la glace au spéculoos. T'as vu, je t'ai dit. Bah, logique, c'est du spéculoos. C'est incroyable. Et celui-là, il est pas bon, tu valides pas le sirop d'érable. Vous savez très bien que j'aime tout, donc on va goûter. Si, c'est bon, c'est le sucre, c'est du sucre. Ok, donc pour ces 24 heures, on a reçu des colis. Donc des colis qui nous viennent de la part de chez Nike. Du 46, donc ça c'est pour Younes. C'est pour toi Younes. On va voir si tu vas kiffer ou pas. Carré. On va voir s'il va kiffer. Waouh. C'est ma. Waouh, incroyable. Ah, elle est incroyable la paire en bleu. Oh. Ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable les gars. Ouais. Elles sont trop belles, on dirait des paires dans des dessins animés. Pure. Tcha. On a celle-là mais en basse. Incroyable. Elles sont trop belles. Hein. Celle-là c'est mes préférées. Myriam, qu'est-ce que tu vas manger à midi? Est-ce qu'ils ont été gentils avec toi? Est-ce qu'ils ont été méchants avec toi? Je sais pas. T'es prête? Ouais. J'espère que vous allez bien. Du coup, c'est pour faire la vidéo sur votre story. Du coup, j'ai vu votre story. Du coup, voici Myriam ce qu'elle va manger. Le fameux sandwich de la Hesse, tout le monde le connaît. Voilà. Et si je peux passer une grosse dédicace à Riyad et Rouville Sinclair, on est ensemble. On est ensemble comme jamais. Yes! Yes! Parce que toi, elle a eu une enfance grave gâtée. On la gâte tous les jours. Mais elle a jamais connu c'est quoi la hesse, la crise. Tu vas voir le sandwich de la hesse c'est quoi. Ok. Ah, je suis content. Yes. Tu m'as fait extra mal au nez alors que déjà j'avais jamais entendu. Tu veux plus de câlin, c'est bon. Là, t'as ton pain. La hesse, c'est ouvre le frigo. Ouvre le frigo. Et tu prends ce qu'il y a. Déjà, on est en train de se faire à manger parce que celle-là, c'est l'heure de manger. Tu prends dans le frigo de la côte familiale, voilà ce qu'il y a à peu près. Regarde, t'as du saucisson. T'as de la crème liquide, je vais te faire un vrai truc, mais c'est la hesse quand même. T'as de l'emmental en haut, prends l'emmental, juste en haut. Ça? Non, en bas, un étagère en bas. Ça? Voilà. La hesse, mon pote. On ne sait même pas de la sauce, c'est de la crème épaisse légèrement. En vrai, ça rend grave bon dans les sandwichs, on en met un peu. Est-ce que t'as déjà eu des sandwichs comme ça? Oui, quand j'étais petit, à chaque fois quand papa, nous on mangeait jamais à la cantine. Attends, montre. Nous on mangeait jamais à la cantine. T'inquiète, zoom pas, je vais après. Non, on mangeait jamais à la cantine. En fait, quand on revenait de l'école, c'est papa qui nous faisait à manger. Et comme on n'avait pas le temps de manger, et ben à chaque fois, il nous faisait des repas rapides de la hesse. C'était bon, hein, mais c'était la hesse. On prend du saucisson. Toi, t'aimes bien le saucisson? Ouais.
Donc du coup, je t'en mets 3. Voilà, c'est de la bonne charcuterie. 1, 2, 3. Je te mets même un quatrième et je vais te rajouter du fromage. On va commencer par notre repas de la Hesse. Repas de la Hesse, repas. J'ai dit repas. Regardez ce qu'on lui a pris. Panini de la Hesse, des frites. Bon, ça va, en vrai, c'est la bonne Hesse. Regardez l'imitation des Kinder. Mais regardez en vrai comment c'est. Vous avez pas, entre 1 euro la boîte. Regardez comment c'est en vrai. Les Dolce Mio, tu goûteras après, tu me diras. Donc il y a aussi un yop, ça compte. Ouais. Vas-y, goûte et tu nous dis. Ça, c'est vraiment quand tu te lèves à 3h du matin, il n'y a rien à manger à la maison, tu te fais un sandwich comme ça, tu te fais un truc comme ça. Là, tu commences par le yop. Ouais. Ah ouais, même pas du bismillah. Toi, c'est sûr, dans la vie, quand tu sors de la douche, tu commences par mettre tes baskets, non? J'ai jamais vu quelqu'un commence par un yop. Je rigole. Vas-y, go, tape ça. Bien, on n'aime pas des baskets dès qu'on sort de la douche. Ouais, mais pourquoi tu commences par un yop quand tu manges? C'est bizarre. Bah, parce que j'ai soif. Bois de l'eau. Je vais lever le truc. C'est micro comme sauce à l'intérieur. Bah, j'ai dit la sauce, la crème fraîche. Oh, le croc, t'as peur. C'est vraiment bon avec la crème fraîche. T'as de la chance d'avoir un grand frère comme ça. Hein. Nous, la Hesse, t'es pas comme ça. Hein. Vraiment pas. Il n'y avait même pas de sauce. On a goûté les frites, mais c'est chaud. Mais dans la sauce. Elle a pris de la sauce qui pique. Ça passe crème? Moi, pour l'instant, mon assiette, c'est ça. Et regardez, des légumes, des frites, de la viande, panini, gâteau chocolat, pommes. Tout simplement. Donc moi, je prends ça, comme il y en a si fait. Mais t'es malade dans la harissa. La harissa. Ah, la Hesse, c'est dur, hein. Elle n'a pas réussi à finir. Mais donc là, je peux pas, parce que là, si je mange encore, mon ventre, il va être trop... C'est pas vrai. Elle fait ça quand elle aime pas, elle a mal au ventre. Parce que la Hesse, c'est très dur. Vas-y, tape. Tape le faux Kinder. Regardez. Fais voir, je regarde. Ils vont regarder sur les côtés, ils ont pas abusé avec le chocolat. Ouais, vas-y, coûte 1 euro tout le paquet, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça va, c'est bon. Mais dans ces gâteaux, des fois, il y a de l'alcool. Non, mais pas dans celui-là, t'inquiète. A few moments later. Ouais, pas du soir, tu t'attends à quoi là? Franchement, moi je m'attends à un hamburger. Un hamburger, ok. C'est parti, mon pote. Salut la coach familia. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Moi, mon repas préféré, des nems avec un gros taco sa mère. Pourquoi il a dit sa mère? Il a dit des nems avec un gros taco sa mère. Mais pourquoi t'as dit sa mère? Tu vas être puni, hein. Pas de gros mots. Il y a Myriam là-haut. Donc des nems et un tacos. Ok. T'en penses quoi? Ouais, je pense que c'est bon, mais à quoi les nems? Les nems aux nems, au poulet. Ah, au poulet, ouais, ça va. On a la sauce trinquinquin des nems. Bah, je vais le faire. Je vais créer ça. C'est pas mal, hein. Non, mais il y a un ciseau là. Il n'y a même pas tes dents. On n'est pas les hommes des cavernes. Je mets ça dedans comme ça. Les nems sont au poulet. Non, mais pas, je vais pas tremper dedans. Je vais faire. Alors. Déjà, j'ai goûté une sans, après je vais voir c'est quoi la différence. T'as oublié de dire un mot. Bismillah. Je vais la saouler jusqu'à qu'elle le dit tout le temps. C'est très bon. Mais pourquoi les Chinois, excusez-moi de vous déranger, hein, désolé de vous déranger, excusez-moi. Pourquoi vous mettez de la neige dans vos nems? De la neige, pourquoi? Juste je voulais savoir. La neige en fait c'est bon, ça va. C'est carré? Ouais, on va goûter avec la sauce. Goûter avec la sauce. On fait prends bien dedans. On va goûter. Je sais pas ça à quel goût la sauce. Ça doit être incroyable ça. Je fais tes bras à sauce. Parce que c'est son 24 heures. Moi je suis à la jet, ça y est, j'ai commencé un régime là, je peux plus, ça y est. Je t'ai fait un tacos à ta taille. Là, le tacos il fait pas toute sa tête. Là, il fait la moitié de sa tête. Et mon corps, il ne fait pas tout mon corps. Non, là c'est carré, c'est un bon tacos. Pas besoin. Tu vas essayer de deviner. Sachant que moi... What? Sachant que moi, si je tape un croc, en vrai, il n'y en a plus. Hein. Parce que regarde. Non, la diète, tu laisses la diète. Si c'est bien, tu fais ça. S'il n'est pas trop bien fait, tu fais ça.
Carré, carré, carré. Venez nous suivre sur Snap, il y aura plein encore de vidéos qui vont arriver. Regardez, 24 si je comprends heures. Pas. Quoi? On dirait pas de la viande ça. Non, c'est ça, c'est la pâte feuilletée. Il y aura plein de 24 heures qui vont arriver. Faut que vous nous suiviez sur Snap. Bah attends, ça tu sais que c'est un goût. C'est un peu un tout petit peu acide. Ouais, c'est de la sauce chinoise.